la nuit, il est 2h30 du matin, ok? Je vous explique pourquoi je suis encore réveillée. En fait, je suis arrivée de travailler vers 00h30 et on devait partir cette nuit vers 3h. Donc, aucun de mes bagages n'était fait. J'avais pas fait la moitié de ce que je voulais faire avant de partir. Donc, c'est pour ça que je suis pas encore couchée. J'ai pris ma douche et là, je suis en train de faire mes bagages. Et on va partir. On part toujours comme en plein milieu de la nuit. Parce que c'est vraiment plus pratique comme ça. On arrive comme vers midi. On va arriver comme pour l'heure du souper à peu près. Tom, il va se réveiller bientôt. Puis j'attends juste qu'il se réveille pour pouvoir finir mes bagages. Parce que il y a gros des trucs qu'il faut que je passe comme dans le salon. Puis le plancher craque. Fait que je vais pas le déranger. Mais je vais vous traîner avec moi aujourd'hui. Je voulais réussir à mettre une autre vidéo en ligne. Mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Fait que c'est ça qui est ça. Je voulais aplatir mes cheveux plutôt, mais là, regarde, on s'en fout. Là. Je vais faire 13 heures de route. Je me suis mis quand même confortable comme un petit chandail. Fait que c'est ça. Ce qu'il y a dans le truc rouge, c'est juste le make-up que j'apporte comme pour toutes les vacances. La voiture me fait la vedette. Il y avait la musique aussi. Mais je veux pas toute la descendre parce que j'ai le GPS. Ouais. Je vais la mettre sur pause à la place. Check ça comment qu'il est. Donc, je le savais tellement que ça glisse. Tant qu'on meurt. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est James qui m'a dit hier, genre, c'est tellement sûr que on va tellement payer pour le fait qu'on n'a pas eu de neige. Ben, genre, raconte-nous les conditions de la route. C'est de la slush puis ça tire en temps. Il n'y a pas de slush. Tantôt, il y en avait parce qu'il y avait un chauffeur qui avait mis du calcium. Mais il n'y a pas de slush. Ouais. Là, c'est juste de la neige par-dessus de la glace. Je n'osais pas dire que t'étais pas gentil, je suis content que tu le saches. Parce que tantôt, je t'ai dit en plus, j'ai vraiment besoin que tu restes réveillé, là, parce que je m'endors un peu. Mais j'ai tellement de la bouche en ouverte. Hey, écoute, là, j'ai pas dormi. Là. Bon, tu cours, hein? Hey, c'est moi fou. Non plus, j'ai pas dormi, on s'entend? Blanc, non. Puis il fait 6 heures que je conduis. Ouais, puis il en reste 6 encore. Non, il en reste 4. Donc, il y a 3/4 du voyage, monsieur. Il y en reste juste 4? Oui, madame. Ah, ouais. Ça va bien, là. On va être à Roberval dans 30 minutes. Comme peur, tantôt, parce que ça. Quand tu conduisais, là, c'est parce que ça me rappelait quand j'ai pris mon accident, parce que c'est de la slush que non, j'ai pris, genre. C'est tantôt. Ce qui arrive, c'est qu'il n'y avait même plus de route. Donc, on est parti. Ouais, rien dans tout. Je savais où qu'on était quand je pognais les bandes vibrantes du côté. C'était génial. Hey, oui, c'est vrai, ça me faisait c'était la meilleure ride de Sherbrooke-Québec à 80 km/h de ma vie. C'était génial. Hey! Tom, il dit, je vais pas prendre à Chibougamau à 80 km/h. Il dit déjà à 120, ça en prend 10 heures. Ouais. La chambre qui passe. On est rendu à Roberval. C'est environ à 2 heures de Chibougamau. 2 heures et 3 heures. Puis là, ben, on est arrêté mettre du gaz. Puis on est arrêté faire pipi. Puis c'est ça. Puis termine mes aventures. Tu veux-tu raconter? Je raconte. En fait, genre, la première affaire. Tu sais, on est en train de parler d'Harry Potter. Puis la première affaire qu'on voit, c'est qu'il y a un gars. Genre qui est à droite, puis le pire c'est qu'il n'y avait même pas de voix à droite, genre. Ben, je pense que oui, c'est pour ça qu'il d'après moi était fâché. Ah. En tout cas, la première fois qu'on voit c'est qu'il est en train de me dépasser à droite, mais vraiment collé là. Ouais, genre j'ai vraiment fait ça. Là j'étais comme what the fuck. Il était vraiment fâché, il a fait des fuck you.
Puis on comprenait pas qu'est-ce qui venait de passer, genre. Ok, je l'ai sûrement coupé, il a sûrement raison, je l'ai pas fait de quoi. Je ne m'en suis jamais rendu compte. Elle était vraiment fâchée, là, à ça qu'à la lumière d'après, il a débarqué de son char. Pour venir voir Tom. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il voulait venir me dire. Me taper sa gueule. Mais je le saurai jamais parce que je passais à côté et la lumière est tombée verte. Puis après ça, il nous collait fou dans le cul, genre, puis il nous a dépassé, puis il nous envoyait des fuck you. Puis j'étais juste comme, ok. Après ça, on a vu la police, puis on espérait que c'est parce qu'il l'avait arrêté. Fait que, au gars qui a une civique dans un t-shirt qui envoie des fuck you au monde, je m'excuse. J'ai fait de quoi de mal, je sais pas c'est quoi, mais je m'excuse. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que. Tu sais, je veux dire, tu fais full attention à ta conduite parce que, tu sais, je veux dire, veux pas la route est vraiment qui se sent. Parce que là, s'il y avait deux voies, je m'en suis jamais rendu compte parce qu'on voit pas les lignes et que je suis pas d'ici. Ouais. Mais bon, chérie, c'est pas grave, là. Le pauvre Minou, il était full mal à l'aise, puis c'est correct aussi, là. Non, mais ça me tentait pas qu'il vienne m'engueuler. Ben, moi, ça m'a stressé, là, pour vrai, il était vraiment agressif ben, quand il est sorti son char. Là, je me suis demandé, il vient-tu me frapper ou vient me parler? Là, je me suis dit, dans un cas comme dans l'autre, s'il vient me parler, ben il voudra pas entendre que je m'excuse puis que je l'ai juste pas vu puis que j'avais juste pas remarqué que c'était deux fois. Ouais. Que... Fait que ça donne à rien. C'est pour ça que je passe à côté. Débarque pas de ton char. Envoie chier le monde, là, mais débarque pas de ton char. Non, mais au pire, genre, tu le dis dans ta tête, là. Je sais pas, là, moi, quelqu'un conduit mal, je vais pas l'envoyer promener ou genre, lui faire savoir que je suis conduit mal, là. Je peux faire chier avec ça. En tout cas, bref. Écoute, c'est le fun parce qu'il est rendu 10h10, fait qu'on va avoir toute l'après-midi. Toute l'après-midi, ouais. Si on se rend. Si on se fait pas. Hein. As-tu montré la route de quoi ça va? Ben ouais, mais je l'ai montré tantôt là. Ben c'est parce que ça glisse en dessous, hein. Puis on écoute Michael Bublé. Tu manges quoi? Mange. C'est pas une niaiserie. Des graines de tournesol. Fait qu'on voit ça pendant combien de temps? 2 heures encore. Ah mon dieu. Faut pas que t'aies envie de mourir ici, hein? Parce que personne ne va venir te chercher. Ouais, mais ici ou ailleurs, on aurait pu mourir en verbal. C'est le gars me parler. Si le gars était venu te fesser tout. Mais non. Mais. Tu sais, si tu fais une crise de cœur ici, le temps que l'ambulance te rende, t'as le temps de mourir 25 fois. Il est rendu 3h35, donc je viens de me faire les ongles, puis je me suis maquillée un petit peu, qui est juste un petit peu, parce que je me sentais plus en confiance, si je me préparais juste un petit peu. Je suis tellement fatiguée, là je vais faire une sieste, ok, là, j'ai aplati mes cheveux aussi, parce que sinon oublie ça, genre il était tout frisé dégueu. Je me suis relavé la face pis tout. Je me suis vraiment préparée comme si c'était le matin parce que... genre... À 3h du matin... À 1h30 du matin, j'avais pris ma douche. Mais j'avais pas... comme je m'étais pas comme... relavé la face pis tout. Pis moi, me laver la face le matin, là, c'est une étape cruciale et tellement importante. J'ai mon pyjama de reindeer. Je fais full d'eczéma puis j'ai oublié ma crème à Sherbrooke. Genre mon doigt est vraiment comme enflé là. Bref. Fait que là, je vais peut-être faire un petit peu de montage dépendamment comment que ça va aller. J'ai pas comme vraiment le goût, mais en même temps j'ai une vidéo qu'il faudrait que je mette. Demain matin je vais essayer de filmer une couple de vidéos pour pouvoir en mettre. Pis là, genre, je vais. Là, comme live, là, je vais faire une sieste parce que je suis, genre, vraiment fatiguée. J'ai, genre, quand même beaucoup dormi dans l'auto, mais pas assez. Pas assez. Pis c'est ça. Fait que je vais
faire une petite sieste. J'ai apporté plein de livres pour lire. Je manquerai pas de choses à faire, je vous le dis. Genre, on est ici pendant 2 jours. Aujourd'hui, demain, puis après-demain. Comme 2 jours et demi. Puis je vais en profiter au maximum. Je viens de dormir pendant 4 heures. Ça l'a tellement fait du bien, là. Je pense que si personne n'était venu me réveiller, là, j'aurais dormi comme toute la nuit, là. Aïe, aïe. On va aller souper. Je sais que les enfants, ils écoutent un film en haut, fait que je vais peut-être aller écouter un film avec eux avant d'aller souper. Ah, mon doux, ça l'a trop fait du bien, là. Ok, je m'en vais affronter la vie maintenant. T'es vraiment une personne étrange, hein? Quoi? Ça me fait-tu bien, là, tu sais? Ouais. Ça cool. T'as l'air d'un petit moineau. Mais mon pyjama. Ton pyjama? Mais ouais. Si on a oublié de s'amener des jogging, ben tu mets tes pantalons de pyjama. Mais ouais. Ben là, c'est que c'est les pantalons de pyjama par-dessus tes jeans. Et hey, puis ils sont beaux en plus, c'est que c'est des reindeer. Mais ouais, ils sont beaux. Puis c'est ça. C'est gay? Sauf que là, on voit absolument rien. Mais oui, on voit bien. Pourquoi t'en remettre mon gars? Ben, remets-les pas, tu vas en avoir besoin pour arrêter ton téléphone. Ah! On a décidé de venir prendre une petite marche. Hey, mon capuchon, il est vraiment huge, là. On a décidé de venir prendre une petite marche. Après le souper. Après avoir été au restaurant Harold Tivierge, on est venu prendre une marche pour s'aérer l'esprit et le cerveau. Il n'a pas fait à manger tout seul? Non, c'est vrai. Qu'a aussi. Ouais, celle-là est à vendre. Il essaie de nous convaincre, c'est sûr, d'acheter une maison. Hey, t'as-tu vu le bonhomme de neige de Frozen? Oui. Huge. Olaf est à la mode celle-là cette année. Tout le monde. Tout le monde a des... On est vraiment bien dehors. Il fait pas si froid que ça. Ça glisse en vie. On aurait pu amener nos patins. Qu'est-ce que tu regardes? Anthony? Ah, il est vraiment concentré. Hein? Qu'est-ce que tu regardes? J'y ai dit que son pyjama, c'était un pyjama de Georges le Petit Curieux. Ah, oh, ben là! Je pense que je vais finir le vlog d'aujourd'hui là-dessus. Il est quand même rendu 11h. Les gens en haut sont vraiment loin d'être prêts de se coucher. Mais moi, je suis juste plus capable. J'ai vraiment une grosse migraine. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu mal à la tête comme ça. Puis là, pour vrai, ça m'a pogné puis ça me... Oh, j'endure tellement pas le bruit en ce moment, là. Fait que je vais aller prendre ma douche. Je vais aller me coucher. En fait, je vais finir me coucher. J'ai mis mon vidéo à uploader. Puis il est juste à 17%. Puis ça fait 2 heures. Ouais, ça paraît que je suis pas chez nous, hein. Mais c'est ça. Donc demain matin, je sais pas. J'ai genre trop de plans pour les 2 seules journées que j'ai off. Mais je pense que je vais juste prendre ça relax. Puis là, je suis en train de me demander comment que je vais faire pour dormir si je joue la guitare, genre juste en haut. Je sais pas. Fait que on va se reparler demain. Je vous aime. Bonne nuit.